Bon voilà, hein, ce jeu donc qui était Locksmith, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, la quête du mystère, Mystery Quest, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ah, je suis de profil là, je peux faire une tête à Julien. Ah, qu'est-ce que c'est? Donc je saute avec A et avec B, je tire des bouboules. Parce que là... Ah, je peux appuyer vers le haut pour regarder vers le haut. Et me baisser. Quel tir sympathique de tir! Ok. Visiblement, on ne peut rien y faire. On peut peut-être rebondir. Non, on ne peut rien faire avec ces blocs verts. On peut pas... Bon... Ah si, on peut. Une étoile! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ah, les blocs de squelettes par terre, on ne sait pas à quoi ils servent. Ça fait un peu penser à Alex Kidd. Sûrement quelque chose de démoniaque. Je ne peux pas rentrer, hein. Non, je ne peux pas. Mais ça, est-ce qu'à un moment, il va se passer quelque chose? Beaucoup de points. Ah mais attendez, il y a un petit ami là. Comment j'y vais? C'est un one-up, mais je peux pas y aller, je vais mourir. Ah, attendez, peut-être le boss là. Il y a un tremplin. C'est Mario. C'est Mario avant l'heure. Ah, la pancarte qui me dit d'aller à droite est un power-up, c'est formidable. Je ne me fais pas chier du tout. Non mais... Voilà. C'est un indispensable. C'est un indispensable gameblog. Alors est-ce qu'à un moment il se passe quelque chose? Les chauves-souris. Non, c'est pas une chauve-souris, je sais même pas ce que c'est. Ah, on peut sauter dessus, hein, c'est... Quand on... Ah, attention, ne pas marcher sur les têtes de mort. Mais est-ce qu'à un moment il va se passer quelque chose? Est-ce qu'à un moment il va se passer quelque chose? C'est la grande énigme de ce jeu fini à la piste des bois. C'est One Piece, mais c'est ça. C'est One Piece avant l'heure, hein. Ouais, cette musique qui me rentre dans les tympans. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des tremplins, mais voilà. Horizontaux. Il suffit de réappuyer sur le bouton de saut et on est éjecté violemment. J'ai envie de mourir. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de crever. Ou est-ce que c'est un de ces très vieux jeux où on a finalement un tableau qui dure jusqu'à l'infini et le seul but c'est de faire du scoring? Peut-être ça l'histoire. Faut que je les prenne les étoiles, ça me rend de la vie. Ça me rend de la vie. Mais... D'accord, le balai, je croyais que ça allait peut-être être un élément de gameplay, mais ce n'est que du scoring encore. Je jouerai à ce jeu jusqu'à ce que je décède ou qu'on trouve un boss. Ah, je peux rentrer là-dedans. Ah. Fatigué. Oh, je viens de niquer. Ah non, c'est bon. Il me faut une clé. Ah non, non, mais non, non, non. J'ai dit jusqu'à ce que je meure ou ce qu'on voit un boss. Nous jouerons, nous continuerons. C'est très important. Les engagements moraux. Vous savez, on m'a parfois... Oh! Ça fait partie de ces petits jeux rigolos où il y a une petite sirène quand on n'a plus beaucoup de vie.
Ah, voilà, c'est bon. C'était vraiment très sympathique. Je lui donne. Bon, je lui donne quand même un indispensable game log car je viens de voir mon compte PayPal s'activer. Alors, quoi qu'il en soit, changeons de jeu. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est archi connu. Punch-Out, le meilleur jeu de l'univers, hein, vous le savez. Il y a des noms qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, mais il y a les jeux qui sont non officiels. Et souvent, les jeux non officiels, c'est les jeux de cul. Ah non. Les combattants combattent la drogue. Raid 2020. En 2020, eh bien évidemment, une épidémie de narcotiques. D'accord. On n'a même pas le temps de lire, j'ai rappuyé sur rien. Ok. Oh non, j'ai déjà joué à cette merde. Je crois que j'ai. Il y a très longtemps. Donc avec B, je saute et avec A, je tire. Et ce qui est très particulier, c'est que vous voyez, quand j'appuie vers le bas, mon perso bouge de strat, hein, entre guillemets, et avance en même temps. Ou recule si... Ce sont des mines et il y a des oiseaux qui nous chient dessus. Ah, mais c'était le joueur du grenier! Ah, bah voilà! Putain, non, on joue pas au jeu du joueur du grenier. Parce que si on joue au jeu du joueur du grenier, je sais ce qui va se passer. Oui, MV, raclure, le joueur du grenier a inventé la Nintendo NES, salaud. Donc c'est pour ça qu'on l'avait vu chez le joueur du grenier. Alors voyons voir un joueur qu'on n'a pas vu, un jeu qu'on n'a pas vu chez le joueur du grenier. Évidemment. Vegas Dream. Non mais ça, Vegas Dream, ça va être... ça va être à tous les coups un jeu de casino. C'est un jeu de casino. Ouais, c'est à la Zelda. Je suis monsieur... oui. Monsieur Marcus. Non mais c'est un jeu de casino, on va se faire chier comme des rats morts. Voyons voir, sait-on jamais. Ouh, bah voilà. Voilà. Bon allez, claque ton RSA. On met... Banco. Banco. Voilà, Banco. Non, Banco. Allez. Oh là là, c'est horrible! Non, c'est pas top, c'est pas top. C'est pas top. Allez, on va jouer à Stunt Kids. Est-ce qu'il y a joué? Codemasters? Waouh! Déjà à l'époque, 92, on est très très loin dans la vie de la NES. Ah, c'est peut-être un bon jeu! Codemasters, on le rappelle, hein, qui ont fait moult bons jeux. Dont notamment, si j'ai pas de conneries, Micro Machine, Colin McRae. Allons, viens. Oh là là, mais c'est en mode le BMX de California Games. Donc je suis en haut, hein, évidemment. Est-ce qu'on peut faire des figures du schnapps? Je ne sais pas. Ah, si j'appuie sur B, il se jette par terre et il se suicide. C'est très intéressant. Ah non, si j'appuie sur B, j'ai un violent coup de boost. Ah, j'en ai plus, visiblement. C'est vrai qu'il ressemble à Bender. Donc ça, ça doit être un boost que j'utilise avec B. Eh bien, non. Mais c'est chiant comme la pluie! Oui, non mais d'accord! Donc on utilise l'accélération du schnapps. Mais comment il fait en arrière? Faut sauter et faire vers l'arrière, et bien non ça... Ah, si je saute et que je fais vers le haut, je fais un wheelie arrière, et si je saute et que je fais vers le bas, je fais un wheelie avant. Ah, même sans sauter d'ailleurs. Oh, le bug! Ah non, c'est bon. Bon, c'est rigolo. C'est mignon. Bah, si on peut jouer à deux, ça peut être très rigolo. Ça peut être très mignon. Je suis fatigué. C'est quand que ça se termine? Alors,
Je le savais que les jeunesses allaient me faire particulièrement mal au crâne. Wall Street Kid. C'est-à-dire, est-ce que quand vous avez été enfant, vous avez toujours rêvé d'être boursier? Eh bien, semble-t-il que Sofel ait trouvé la solution pour nous. Priscilla! Larry! L'avocat! Ruth! La banquière! Stanley! Le consultant! Connie, la conseillère arrogante, Ralph, le trou du cul, et Doc, le vendeur de bateaux de merde, Pamela, la vétérinaire patiente, Cal, l'arnaqueur vendeur de voitures, Ted, Art, l'artiste artistique, Dion, le designer beau gosse, Julie, la bijoutière salope, ça s'arrête quand? Austin, le vendeur aux enchères qui a vendu sa mère. D'accord. Salut, je suis Larry, un avocat employé par ton oncle distant, Monsieur Bénédicte. Je suis désolé de t'apprendre qu'il est décédé. Vu que son seul membre de famille encore vivant, c'est toi, eh bien oui, tu vas hériter de ces 600 milliards de dollars, évidemment. Mais tout d'abord, tu dois te prouver, n'est-ce pas? On va te donner 500 000 dollars avec lequel tu dois générer un profit grâce au stock market. Utilise les profits, évidemment, pour montrer pour améliorer le standard de vie. Évidemment, la qualité de vie des Bénédictes. Occupe-toi de ta copine et déménage dans une maison correcte à 1 million de dollars. Tu auras un mois pour acheter la maison. J'aurai un agent immobilier qui t'appellera. Aussi, oui, le grand-papa de Monsieur Bénédicte possédait un château en Europe il y a plusieurs années. Quand il a immigré aux États-Unis, le château a été vendu. Juste avant la mort de Monsieur Bénédicte, j'ai entendu dire des rumeurs que le château serait bientôt à revendre. Tu dois l'acheter pour maintenir l'héritage de la famille. Le château coûtera plusieurs millions de dollars, alors prépare-toi bien. Je t'informerai de cette vente. Je te tiendrai informé. Oh, aussi. Joyeux poisson d'avril! Mais souviens-toi, tout ce que je viens de te dire n'est pas un poisson d'avril! Bonne chance! Alors oui, nous lisons les Wall Street Times. D'accord, les taux d'intérêt ont chuté de 0,5%. Donc les blue chips et les stocks cycliques surpassent les autres. Non mais c'est vraiment ça en fait. Salut, je m'appelle Ralph, je suis un agent immobilier. Il m'a dit que tu étais intéressé d'acheter une maison à peu près 1 million de dollars. Je regarde en ce moment même de très jolies maisons à vendre pour le moment. Je te donne les détails et je t'appellerai au début de la semaine prochaine. Allez, salut! Ah! Oui, allons nager! Allons nager! Voilà, nager est très bon pour notre santé, évidemment. La transaction prend 2 heures. Donc là, je viens de gâcher 2 heures à aller nager dans mon jacuzzi comme un connard. J'achète! 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 J'achète des 1 000 pattes! Voilà! Je mets tout, banco. Banco sur le 1 000 pattes. Ah mais c'est 4 seulement que je peux acheter. Oh non, oh là là. C'est vraiment un jeu de stock market. Pff.
Bon, alors, oui. Très bien. Non, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Alors, jouons à quoi? High speed, la haute vitesse. Ah, c'est Rare, un jeu Rare. Souvenez-vous, vous savez, alors, les petits amis, il y a très longtemps, Rare faisait des bons jeux. Ah, on a connu Rare, hein, c'est formidable, avec Banjo et Kazooie, hein, entre autres, les Killer Instincts, Mon cul sur la commode, même Conker's Bad Fur Day, un jeu assez, assez controversé. Puis maintenant, Rare, hein, évidemment, fait des jeux XBLA. C'est-à-dire, tous les jeux XBLA Kinect que font Rare, et Donkey Kong, évidemment, Country, tous les jeux XBLA Kinect que font Rare en ce moment sont des indispensables Gameblog. Alors, voyons voir ce qui se passe. GoldenEye, évidemment, 64. Même si j'ai pas eu de 64. Non, mais un jeu de flipper, quoi. Flipper le dauphin, quoi. Oui, bah, c'est un jeu de flipper. Ah, vous savez que mon jeu de flipper préféré, c'est Zen Pinball, hein, sur PSN, évidemment. Mais là, on se fait chier. Je ne suis pas sûr que ce flipper ait autant de nuances que... La musique est là. La musique est là, en tout cas. Gros swag. Oh, bon, c'est un jeu de flipper, quoi. Hein. Alors. Marie Street Fighter 3 Turbo. Donc, on a un Street Fighter 3 Turbo Marie. Fait par des hackers. Je suis curieux quand même. Ah, c'est Mario! Y a tous les persos! Alors, est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi il y a un Ryu? Un Ryu basané? Un Ryu dépressif? Un Ryu blond? Un Ryu qui a loupé sa coupe. Ah, c'est sûrement Ken. Un Ken Clodo travesti vieux. Et Mario. Bon, ok. Ah, le jeu il tourne trop bien. Ouah, mais c'est ouf. Bon, par contre, il y a... Mais pourquoi quand je saute... Les boutons changent. Faire un dragon clavier. Faire un dragon clavier, j'en ai rêvé. Oh, ce bagre point invincible. A-t-il un dragon? Est-ce qu'il a le Tatsumaki au saumon? Voyons voir s'il y a le Tatsumaki au saumon. Oui, non, d'accord. Oh! Attention, avec un gros start-up, hein. Hommage à Ken Verdier, évidemment. Hommage à Ken Bogard, les mathématiques, le versus fighting. Vous voyez qu'il y a un gros start-up hein, sur le Tatsu, évidemment. Bah, gros point, gros point. Le BMK, le BMK, évidemment, très très bon parce qu'on peut faire un follow-up à la Dokken, hein, évidemment, un two-in-one hein, en quelque sorte. Alors. Bon, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde en boîte, mais ça tourne étonnamment bien. Ah, c'est le stun. C'est le stun. Meurs pas sans ton pif. Évidemment, meurs pas sans ton Ken Verdier. Surprenant. Surprenant, je dois vous l'avouer, ce jeu, hein, ce jeu est de qualité. Pas fini à piste du tout, hein, donc fait par des hackers. Et en plus, ce n'était pas un jeu de cul. Alors, on va essayer quelques hacks. Jouer à NBA Jam 2. NBA Jam 2, hein, sur NES. Jouer... Ah oui, prendre Mario, faudrait essayer. Oui, attendez, on va essayer après. C'est la folie! Ah mais non, mais c'est Tecmo NBA Basketball, ça n'a rien à voir!
On s'est fait arnaquer. Ah mais c'est comme de... Ouah Barclay. Ouah. Il est mieux que Double Dribble. Parce que Double Dribble c'était un peu fini à piste. Tandis que celui-là il a l'air complètement ouf. Sauf que ça clignote dans tous les sens. Mais non je voulais pas tirer. Oh oui rebond. Mais non je voulais pas... Je voulais tirer. Pourquoi le bouton a changé entre temps? Isaiah Thomas. Putain ça c'est bon ça. C'est pour tous les darons. Attendez on va retourner sur Street Fighter. Vous vouliez voir Mario. On va voir ce qu'il donne. Oui. Ah ouais, mais là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus dégueulasse. Tout d'un coup, c'est beaucoup plus dégueulasse. Oh, regardez ce bras tendu. Ce bras tendu qui n'a aucun sens. Ah, et le BMK, évidemment, le BMK aérien de Chun-Li, hein, évidemment. Très très bon. Ouais, on s'en fout. Alors, l'invasion des lasers. Vous êtes prêts pour l'invasion des lasers? Un jeu Konami. Laser Invasion. Ah, c'est un shoot'em up. Ça, c'est un jeu Konami, mais j'en ai jamais entendu parler. Hey, Spider. Un agent secret a été capturé par l'ennemi. Un agent sous couvert, hein, bien entendu. Nous pensons que Spider a des informations sur leurs nouvelles armes. Ta mission est d'infiltrer le camp de prison et de sauver Spider. C'est Metal Gear, quoi. Mais fais très attention, car... Ah. Car... Ouais, c'est un jeu d'hélicoptère. Par contre, on sent que c'est un jeu Konami. Pourquoi? Parce qu'il y a la musique du swag. Cette musique des chiens. Ok. On dirait du Tortue Ninja 3. Ok, let's go. Wouah. Ah, c'est un Top Gun, mais avec l'avion. Mais il est bien fait. Il est très blanc. Ah non, c'est bon. Oui, c'est Top Gun avec l'hélicoptère. Par contre, voilà, là c'est du pif total. Comment je choisis de... Je ne me dirige pas en fait. Je ne dirige que mes tirs et les fameuses... Bon, comme dans Top Gun, les missiles qu'on doit shooter sinon ils nous détruisent. C'est exactement Top Gun, finalement. Ouais, mais le temps passe si vite, il est déjà 21h27. C'est ouf. C'est complètement fou. Oui, non, c'est dingue. Ah, j'ai envie de jouer à Gargoyle's Quest 2, voir s'il est pas pourri. Parce que j'ai joué à Gargoyle's Quest sur Game Boy, qui est génial. J'ai joué à Demon's Crest sur Super Nintendo, qui est excellent aussi. Je n'ai pas joué à ce jeu-là. Je suis curieux de le savoir. Est-ce que je suis gay? Non, alors on a déjà parlé de ça. Je ne suis pas gay. Je suis nécropédo géronto zooscatophile. Je suis amateur de vieilles déjections de jeunes animaux morts. Et c'est l'heure de la pub. Et ben voilà. Et voilà, fallait pas me faire chier. Fallait pas me faire chier.